Donc aujourd'hui je voulais absolument arriver à Erachidia, c'est là que j'ai le plus d'amis et que j'aurai un logement sûr. Du coup je vous explique comment fonctionnent les transports au Maroc. Vous avez des taxis intra-ville et des taxis inter-ville. Donc intra-ville c'est des petits taxis qui vous emmènent partout dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. Et les taxis inter-ville ce sont des particuliers qui ont un minibus et qui font les trajets entre grande ville, ou ville un peu plus grande que la campagne quoi. Du coup, le système se passe comment? On est à la gare, l'endroit où il y a tous les taxis vers toutes les villes. Ici, on se trouve à Midolt. Et je me trouve dans le taxi à Erachidia. Par contre, comment est-ce que ça fonctionne? Il faut, pour que le prix soit le moins cher évidemment, il faut que le taxi soit complet puisqu'on paye par tête. Et par personne quoi. Une fois que le prix du trajet est le même, mais quand le taxi est full, bah, ça se divise par tous les voyageurs. Et donc du coup, ça fait une heure que j'attends en attendant pour que le taxi soit plein, parce que je suis arrivé dans les premiers. Je sais pas, je crois qu'il nous manque deux personnes, mais pour le moment, ça fait une heure que j'attends. Mais bon, au moins on est sûr d'arriver à Erachidia. Qui sait, peut-être avec le stop, ça aurait été plus vite, mais... Voilà, il fait au moins 40 degrés. Après la montagne, je vous avoue que je suis crevé. Et donc, j'ai déjà failli m'endormir dans le stop de la montagne jusqu'à Midolt. Donc, je préfère prendre le taxi au calme. Surtout que c'est pas cher. Les distances ici pour presque 160 km, je paye un peu moins de 5 euros. Donc, voilà, c'est une dépense, mais... Parfois, quand vous êtes obligé d'arriver quelque part, ou que vous voulez arriver quelque part plus vite, je trouve que ça vaut la peine. Bon, il faut être patient. C'est un peu l'Afrique, donc... donc on a le temps, on prend le temps. Le gars, il partira pas tant qu'il n'y aura pas le plein de passagers. Donc voilà. Mais c'est bien, parce que comme ça, la prochaine fois, on se voit à Erachidia. Et là, je pourrais recharger les batteries, je pourrais... me mettre au calme et faire des meilleures vidéos parce que pour le moment c'est le bordel, c'est ma dernière batterie. Mon GSM il est à plat depuis ce matin donc je sais même pas quelle heure il est. Le soleil est encore là donc à mon avis on va arriver à Erachidia avant la nuit. Mais entre temps on est là
bloqué, mais pour un certain moment. Voilà. Rien de plus à ajouter. On fait le réglage tout de suite. Ah ouais, franchement, c'est sympa de voir le bordel que c'est. Il y a un petit bar là, plus loin. Et tous les chauffeurs sont en train de gueuler. Mais vraiment de gueuler, ils ont même un micro pour ça. Ils sont en train de gueuler les noms des villes dans lesquelles ils y vont. Comme ça, ils attirent les personnes qui aimeraient bien prendre le taxi. Je sais pas si j'arriverai à prendre quelques images, mais ça serait sympa de le voir. Allez, tout de suite. Ben, bienvenue à Rachidia. C'est pas la première fois que je vais au Maroc, puisque j'ai travaillé, j'étais bénévole pour une organisation belge et j'ai eu l'occasion de venir ici même à Rachidia. Donc c'est l'endroit où je connais le plus de personnes, on va dire. Par contre, mon GSM est à plat, donc ce que je veux faire, c'est que je veux marcher dans le bureau de l'organisation partenaire avec laquelle on travaillait et je vais voir s'il y a quelqu'un. Sinon, on va trouver un moyen de charger le GSM. J'espère que mon temps avec le vent, il y a beaucoup de vent. Et voilà, on y est. Je suis presque comme chez moi ici en fait. Quand je revois les endroits, c'est vraiment cool. Allez, à tout de suite. Voilà le bâtiment. Alors, le bureau c'était à l'étage. On va voir s'il y a quelqu'un. J'ai l'impression que je rentre à la maison, c'est trop drôle. Ça fait du bien de connaître des endroits.